Hello tout le monde, comment ça va? Voilà, alors première vidéo sur l'univers Disney. Rien de bien extravagant, à part que Disney va sortir encore jusqu'à la fin de cette année 3 films qui a l'air d'être sympathiques, dont 2 films et un dessin animé, enfin plus film d'animation à l'heure actuelle. Donc je vais vous expliquer un petit peu ces films avec leur date de sortie et puis vous montrer leur bande annonce. Allez, c'est parti! Voilà, prochain film à sortir de chez Disney, Maléfique 2, qui va sortir au mois d'octobre, si je me souviens bien, normalement le 16 octobre de cette année. Dans le premier film, on a pu voir pourquoi Maléfique avait un cœur si dur et pourquoi elle a envoyé cette malédiction à Aurore. Dans le second opus, on va voir, je pense, des nouvelles alliances entre différents peuples pour pouvoir protéger les habitants qui vivent dans un royaume comme dans l'autre. Donc je pense qu'on aura des combat assez épique et plus attendre la bande-annonce. Il y a 5 ans, j'ai cru vous avoir perdu pour toujours. Plus aucun sort ne pourra nous séparer. Voulez-vous m'épouser ? Oui. Maîtresse, j'ai des nouvelles. Tais-toi ! Ne viens pas gâcher ma journée. Le prince Philippe veut m'épouser. Non. Je ne demandais pas votre accord. Je ne demande rien non plus. Les histoires d'amour finissent toujours mal, Mojde. S'il vous plaît, laissez-nous vous prouver le contraire. Vous êtes allé à l'encontre de votre nature avec une force admirable pour élever cet enfant. Mais aujourd'hui, elle mérite de connaître enfin le véritable amour d'une mère. Ce soir, Aurore devient mon enfant. Possible, il n'y aura pas de mariage. Qu'avez-vous fait? Rentrons à la maison. Aurore! Maléfique est une menace pour chacun de nous. Nous ferons de notre mieux pour te protéger. Voyez-vous ça? On n'est jamais assez prudent. Ma reine! Je ne vous reconnais plus. Tu ne sais rien de moi. Dites-moi ce qui s'est passé. Il y avait une autre créature. Vous avez passé des années à chérir un humain. Il est temps de penser à votre peuple. Second film de cette année à sortir, ça sera La Reine des Neiges 2. Désolé pour les parents qui ont dû subir libérer, délivrer la dernière fois. Normalement, dans celui-ci, on devrait pas avoir libéré, délivré. On aura peut-être autre chose à la place qui y remplacera. Mais dans tous les cas, ce film va sortir le 20 novembre. Il a l'air d'être vraiment sympathique quand même. Je pense que cette fois, ils vont peut-être un peu plus aller en profondeur pour découvrir les pouvoirs d'Elsa. En tout cas, je l'espère. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer une ou deux bandes annonces que j'ai pu trouver là-dessus. Et bon visionnage. Allez, à tout de suite. Thank you.
Le passé recèle parfois de grands mystères. À toi de découvrir la vérité. Va vers le nord, traverse les terres enchantées et explore ton jardin secret. Mais sois prudente. Longtemps, nous avons pensé que les pouvoirs d'Elsa étaient trop puissants pour ce monde. Aujourd'hui, il faut espérer qu'ils seront assez puissants. Personne ne fera de mal à ma sœur. Voilà, dernier film à paraître cette année, il sera au mois de décembre, et précisément, normalement, le 18 décembre. Et si je vous dis sabre laser, Jedi, Wookiees, vous avez compris, ce sera le dernier Star Wars, l'épisode 9. J'espère qu'il sera un petit peu mieux que les autres, parce que les derniers, pour ma part, étaient un petit peu mous. Donc j'espère que cette fois ça va envoyer du lourd. En tout cas, c'est nouveau J.J. Abrams qui est à la réalisation. Donc c'est lui qui avait déjà fait l'épisode, si je me souviens bien, 7. Donc ça fait déjà un petit moment. Hein. Donc j'espère qu'il vaudra la peine. Donc allez, sans plus attendre, la bande-annonce. Nous avons transmis tout ce que nous savons. 1000 générations vivent en toi à présent. Mais c'est ton combat. Voilà, cette fois vous avez pu voir les trois films à venir de chez Disney. Donc Maléfique 2, La Reine des Neiges et Star Wars. J'espère que cela vous a plu. Donc vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous, mettre un petit pouce bleu si cela vous tente, et vous abonner à ma chaîne, ce serait toujours sympa. Allez, à la prochaine, ciao ciao.